centre culturel russe Kalinka a le plaisir de partager avec la communauté dakaroise et la presse internationale l'organisation de la première édition du Festival des films asiatiques du CCR Kalinka à Dakar. Elle aura lieu du 20 au 29 octobre 2023, dans les salles du partenaire, les cinémas Céanma, aussi Plaza, Corniche, Dakar. Pour ceux qui ont grandi avec des salles de cinéma à ciel ouvert ou fermé dans nos villes d'avant la crise des années 90, la découverte des autres mondes en collectif, l'échappement de nos drames quotidiens pendant les quelques heures où nous regardions un film projeté sur un mur blanc, étaient des moments précieux de notre jeunesse, de notre enfance, de notre vie. Le retour récent des salles de cinéma à Dakar nous rappelle avec nostalgie tous les moments passés à mémoriser les chansons, les pas de danse des héros cinématographiques hindous, les battles de Bruce Lee, les histoires et vies qui ont bercé nos rêves. Aujourd'hui, nous avons une opportunité d'ouvrir de nouveaux horizons à notre jeunesse, de leur montrer le monde, les cultures, les histoires de toutes les différentes perspectives sans quitter le pays, d'apprendre et de rêver à nouveau, ensemble, devant les écrans géants avec les technologies d'aujourd'hui. C'est avec cette opportunité et son objectif premier d'ouvrir aux Sénégalais la Russie et servir de pont de communication dans les deux sens, que le CCR Kalinka, en partenariat avec plusieurs organisations de distribution de films, des ambassades et attachés culturels, des partenaires, a entamé en janvier ce projet de festival. C'est un grand travail assidu du bureau et des membres volontaires du centre culturel russe Kalinka qui va résulter à 10 jours de projection de films en version originale avec sous-titrage en français ou anglais, ou sans, pour permettre aux Dakarois, aux élèves et étudiants de découvrir une facette de la vie, des rêves et espoirs venus de 7 pays d'Asie: Inde, Ouzbékistan, Kazakhstan, Malaisie, Corée du Nord, Tadjikistan, et de la Russie, représentés par les républiques du Tatarstan, Sakha, Yakoutie et Bakortostan. Pour une première édition, c'est un accomplissement de taille, dont la démarche particulière fait que ses perspectives de développement sont sans précédent. En effet, le CCR Kalinka a opté pour un festival de découverte et non de compétition, donc chaque film est choisi et présenté afin de montrer à son audience ce qui fait leur culture, leur société, leurs coutumes, leurs a priori et leurs spécificités, malgré un cadre général commun comme le partage de la même religion ou la position géographique, entre autres. L'idée, c'est de venir, regarder et découvrir en quoi nous sommes tous pareils et différents dans tout, et de cette découverte, prendre conscience encore plus combien nous sommes multiples et un, combien nous sommes nombreux et similaires, combien il est bon de voyager, tout en ramenant chez soi ce que l'on a découvert de mieux. Donc, durant 10 jours, les matinées, de 9h à 12h, vont se succéder des courts-métrages, des longs-métrages, des fictions et documentaires des pays présentés, selon une programmation spécifique disponible en ligne, sur les réseaux sociaux et dans Céanma, pour un forfait d'entrée de 500 francs CFA par personne. Certains films à valeur commerciale seront projetés ensuite durant les soirées, programmation à surveiller. Toutefois, comme les places sont limitées, réserver en avance est primordial. CCR Kalinka espère fortement que les établissements scolaires feront le nécessaire pour participer et offrir à leurs élèves, en ce début d'année, une excursion matinale qui donnera un cours en géographie, histoire, culture, civisme et éthique tout en leur donnant des idées, motivation à bien travailler et du bon temps. Qui sait ? Le festival s'ouvrira avec une autre première, celle de la projection du court-métrage lauréat en première place du festival Les Valeurs Globales à Sébastopol en 2023, Le Dernier Pêcheur d'Armel Deyon, un succès story du cinéma sénégalais. Le festival fermera avec une autre première, tout aussi exclusive, mais plus prestigieuse encore, car c'est la projection en avant-première du dernier film documentaire du cinéaste Monsieur Moussa Touré,
président de l'Association des cinéastes du Sénégal 20 ans après. Et ce n'est pas tout. On ne peut être un pont sans avoir un aller et un retour. De ce fait, notre festival des films asiatiques sera un rendez-vous biennal, car l'année prochaine, le festival itinérant des films africains ou CCR Kalinka présentera un programme de films de chez nous aux audiences des pays qui ont participé au festival des films asiatiques, pour leur découverte. Donc, une histoire, un projet à suivre.